C'est bien ici l'embauche, Citroën ? Ouais, c'est bien là. Première embauche, 6h45 devant l'agent de secteur. Le premier jour de l'usine est terrifiant pour tout le monde. Des mois et des années là-dedans. Ali, contre lui. Bonjour. Bonjour. Faut que tu prennes le temps de gagner leur confiance. Si tu sais les écouter, ils te parleront. Et moi, l'établi, est-ce que je vais y arriver ? Dépêche-toi ! Ils vont nous faire sauter les primes à cause de toi ! Laisse. Ouais, bah pourquoi on la voit pas ? La révolution ? On va la voir. Tu vas la voir. Accident en courroie. Vous nettoyez, vous mettez un pansement, il y retourne. Tu comptes mentir aux camarades ouvriers sur ta condition bourgeoise ? Mentir, non. Je compte parler politique avec ceux que ça intéresse le moment venu, voilà. Vous avez votre certificat d'études ? Ouais. Alors qu'est-ce que vous faites chez nous ? Camarades, déjouons les manœuvres des politiciens au service de la bourgeoisie ! Fasciste ! Ça fait 3 mois qu'il y est. Il se passe rien. Et alors ? Et alors le poste à la fac t'attend. Si la révolution ne vient pas, j'ai pas de raison de faire un autre travail que celui-là. Klatzmann, délégué CGT. Robert, OS2. Citroën n'a toujours pas digéré ce qu'ils ont été obligés de lâcher à Grenelle et je suis sûr qu'ils vont encore trouver le moyen de nous faire payer le peu qu'on a gagné. Attends, ils reviennent sur les accords de mai ? On va quand même pas accepter ça, non ? Tu recommences. Et vous allez faire quoi ? Être prêt à faire arrêter la production, même si on n'est pas assez nombreux. Il a raison, ce qu'on a fait en mai, on peut le refaire. Mettre une usine en grève pour 3 heures sup, hebdo. Ali, si tu arrêtes, c'est toute la chaîne qui est bloquée. Ferme ta gueule. Si quelque chose se passe, tu peux compter sur nous trois. Vous avez entendu parler d'un tract qui circule parmi les ouvriers ? Mais après, toi tu retrouveras ta place de prof, et eux ? Ici en France, la grève est un droit, la grève est légale. Je trouve légitime de rêver un monde meilleur. Et pas seulement de rêver, aussi peut-être de le faire.